Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés ce matin donc dans le cadre de la journée porte ouverte 2021 de Sciences Po Lille. Je suis Alexandre Desrumaux, je suis responsable de la scolarité et je suis surtout accompagné du directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot. Bonjour Monsieur Mathiot. Bonjour. Donc Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille, professeur en sciences politiques et également, on va dire, papa du nouveau bac 2020. Voilà, mais aujourd'hui, donc on est là pour Sciences Po Lille. Vous êtes toutes et tous intéressés puisque vous êtes là connectés par cette école. On va vous la présenter. Je vais laisser donc la parole à Monsieur Mathiot pour nous présenter déjà en quelques mots Sciences Po. Qu'est-ce que c'est que Sciences Po? Qu'est-ce que c'est que cette école? Quelle est la formation Sciences Po? Alors, je vous parlais de Sciences Po Lille. Hein. Il y a 10 Sciences Po en France. Bon, comme je suis directeur de Sciences Po Lille, je vous parle de Sciences Po Lille. C'est une école qui a été créée il y a 30 ans, en 1991, qui compte aujourd'hui 1800 étudiants environ, qui sont scolarisés donc pour un cursus qui dure 5 ans, et qui, à l'issue, permet aux élèves de décrocher donc un diplôme qui vaut grade de master, comme on dit dans le jargon. Cette école, on y accède en première année ou en quatrième année uniquement par concours d'entrée, en première année via Parcoursup et puis en quatrième année par des concours qu'on organise directement. Voilà, c'est une école qui est assez sélective, c'est une école qui, on en reparlera sans doute tout à l'heure, et je dirais que c'est une école qui, a maintenant une réputation, une marque, comme on dit dans le jargon aujourd'hui, qui est assez reconnue, et voilà, donc je suis à votre disposition ici pour vous donner quelques informations, répondre à des questions s'il y a des questions, et évidemment essayer de nous adapter au Covid qui nous oblige à faire cette journée porte ouverte à distance, donc ça nous oblige un peu à innover, et j'espère que ça va se passer dans les meilleures conditions possibles. Alors justement, la formation Sciences Po Lille, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Comment elle est organisée? Il y a plusieurs filières également, voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle la filière générale, et puis il y a des doubles diplômes, ça c'est pour l'entrée en première année, puis après on a un cycle master, dans le cadre duquel il y a également des doubles masters. Alors je vais essayer d'être simple, le cursus dure 5 ans. Les trois premières années, ce sont des années, disons, de continuation d'une formation générale dans les sciences humaines et sociales, le droit, les langues étrangères, notamment la possibilité de commencer une troisième langue. Ça dure 3 ans, 2 années à Lille, qui sont des années où on fait de la science politique, de l'histoire, du droit, de l'économie, un peu de sociologie, des langues, etc., etc. La troisième année est à l'étranger pour l'ensemble des élèves, je pense qu'on y reviendra. Donc les élèves partent pendant un an, soit uniquement à l'université, soit dans une année mixte entre un stage et l'université. Et puis ils reviennent, et les 2 années qui restent sont des années de master, donc de spécialisation, quatrième et cinquième année, qui se terminent en cinquième année par un stage de longue durée qui dure entre 6 et 8 mois à partir de janvier de la cinquième année. Voilà, donc ça c'est l'organisation générale. Effectivement, on a dès le bac, dès l'accès en première année, la possibilité soit de tenter le concours pour entrer en filière générale, soit pour tenter le concours pour entrer dans 4 doubles diplômes que nous avons avec Munster en Allemagne, Canterbury en Angleterre, Salamanca en Espagne et la Sapienza à Rome pour une filière franco-italienne. Et puis, sinon, on peut aussi, en quatrième année, intégrer un double master. Certains d'entre eux sont des doubles masters qui sont organisés avec des partenaires en France, l'École supérieure de journalisme, l'école, l'EDEC, et puis l'école centrale de Lille, et puis autrement des doubles masters à l'étranger, 2 à ce stade, l'un avec l'université d'Aston à Birmingham en Angleterre, et l'autre avec Szeged en Hongrie. Peut-être que dans les années qui viennent, on fera d'autres choses. Voilà, donc là, j'ai résumé à très grands traits la formation. Aussi quand même, c'est à peu près 20 à 22 heures d'enseignement par semaine.
avec beaucoup par ailleurs de travail personnel à réaliser. Et puis ce temps de travail qui n'est pas énorme par rapport par exemple à des classes prépa permet aussi à l'école d'avoir une vie associative très intense, on en reparlera je pense, et puis aussi d'organiser beaucoup de conférences en temps normal hors Covid, parce qu'on est très frustré en ce moment évidemment. En temps normal, on accueille dans l'école 100 à 120 conférences de tout ordre, de tout niveau, qui permettent quand même à l'école d'avoir une vraie dynamique. Alors, si on reste sur la partie formation et qu'on parle du premier cycle finalement, quelles sont les matières qui sont enseignées? On va parler de la première année. Alors, si on prend une semaine type, les élèves ont ce qu'on appelle des conférences de méthode, ou si vous préférez des TD, si on prend le jargon de l'université. Alors, ces classes sont des classes dont l'intérêt, c'est que les élèves sont une vingtaine par classe. En sciences politiques, en histoire, en droit, en économie, en langue 1 et en langue 2, ou langue A et langue B, si vous préférez. Ça, ce sont les classes, par élève, ils sont 20. Ensuite, il y a des cours magistraux. Donc, en première année, les élèves, au total, sont à peu près 280. Donc des cours magistraux dans les matières des conférences de méthode, donc histoire, droit, sciences politiques et économie. Et puis il y a d'autres cours qui ne sont proposés qu'en cours magistraux, par exemple sociologie, par exemple un cours sur la question de la transition écologique hein, qu'on met en place à partir de cette année, un autre cours sur le Covid et les sciences sociales. Donc on essaie de diversifier un petit peu les choses. Donc au total, ça fait 20 à 22 heures de classe par semaine. Donc ça, c'est la première et deuxième année. La troisième année, une année à l'étranger. Vous pouvez nous en parler? Voilà. Alors, tous les Sciences Po font ça. Nous, je crois qu'on le fait de façon assez intéressante, si je puis me permettre de le dire. On a à peu près 220 accords à l'étranger. Donc, les élèves, pendant qu'ils sont en deuxième année, dès le mois d'octobre de leur deuxième année, ils commencent à se préparer. On organise beaucoup de conférences. D'ailleurs, on organise une rencontre avec les parents pour leur expliquer un petit peu comment ça va se passer. Et on demande aux élèves, en gros, avant les vacances de Noël, de faire un certain nombre de vœux d'université à l'étranger, ou alors de signaler qu'ils voudraient faire un stage et un semestre à l'étranger. Donc, on a des accords donc, sur tous les continents qui vont, en termes de distance, depuis la Belgique, qui est à quelques kilomètres de l'île, jusqu'à l'Australie, le Chili, etc., etc. Et donc, les élèves passent. Donc à peu près 80% d'entre eux font uniquement une année à l'université. Donc ils suivent des cours, et ces cours représentent 60 crédits, et ça représente donc la troisième année de Sciences Po Lille. Donc on leur demande de produire les résultats, et quand ils reviennent, s'ils ont validé leurs 60 crédits, comme c'est le cas pour pratiquement tous, ils ont leur troisième année qui est validée. Et puis donc une petite partie des élèves, 20% à peu près, valide 30 crédits au premier semestre, au deuxième semestre. Le premier semestre, c'est à l'université, donc par exemple, ils vont en Suède pendant un semestre, ils suivent un certain nombre de cours, ils valident 30 crédits au deuxième semestre, ils font un stage dans une ambassade, dans une entreprise, obligatoirement à l'étranger, et ils valident également 30 crédits en faisant un rapport de stage qui est évalué, qui est noté. Voilà. Et donc au final, ils reviennent tous en gros entre le mois d'avril et le mois de juillet de la troisième année. Et puis, ils reprennent à Lille en master à partir de septembre de la quatrième année. Alors, donc, premier cycle, 3 ans, ensuite cycle master. Alors, Anne Bazin fera cet après-midi une conférence sur ce sujet. Une question qui revient régulièrement, est-ce qu'on propose des formations en alternance? Oui, alors bien sûr, on a donc les élèves. Alors, les élèves, pendant qu'ils sont en troisième année, ils candidatent à un parcours en cycle master. Et puis, on a à peu près 80 élèves qui sont recrutés directement pour accéder en master en étant, dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme de licence ou de 180 crédits ECTS. Je pense notamment à des élèves qui font une classe préparatoire aux grandes écoles, qui cubent. Donc, à ce moment-là, ils ont également 180 crédits. Bon. Donc, ces formations de master, parmi ces formations, on a actuellement deux de ces formations qui sont en apprentissage en cinquième année. Donc les élèves sont payés, évidemment, ils sont dans une entreprise, dans une administration, dans une association. Ils passent une partie du temps chez nous à suivre des cours et une partie du temps dans leur lieu de travail. Ils ne payent pas de droit d'inscription, ce qui est très important. Et en plus, ils sont payés, donc c'est quand même très intéressant. Actuellement, on a à peu près une quarantaine d'élèves qui bénéficient de cela. Et l'objectif, à partir de 2023, c'est de doubler le nombre de formations et le nombre d'élèves qui en bénéficieront. Donc on va atteindre une petite centaine d'élèves qui seront dans des formations en apprentissage, à côté donc des formations plus classiques, donc qu'on appelle en formation initiale. Voilà. Et donc, à la fin de ces 5 ans, un diplôme, un seul et même diplôme pour tous les, voilà. Quels que soient les masters. Exactement. Donc, les élèves sont diplômés de Sciences Po Lille,
qui vaut grade de master, bon, c'est un diplôme qui est assez reconnu, et puis ils ont une espèce de sous-titre dans leur diplôme qui précise le cycle de master qu'ils ont suivi durant donc, les deux dernières années du cursus. On parle également du réseau, c'est important, les étudiants et les étudiantes, les lycéens qui nous écoutent et les lycéennes sont en préparation de leur poursuite d'études, on parle de Parcoursup, y a un certain nombre de choses importantes là-dessus. D'abord, le réseau Sciences Po, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc, il y a 10 Sciences Po en France, je l'ai dit au début de mon propos, et sur ces 10, il y en a 7 qui se sont regroupés depuis 2008. Pour organiser ensemble le concours commun d'entrée en première année, pour aussi gérer ensemble le programme de démocratisation et d'égalité des chances qui s'appelle PEI. Donc ces Sciences Po sont, il ne faut pas que j'en oublie, mais Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Saint-Germain-en-Laye. Le concours est commun, c'est-à-dire que dans Parcoursup, puisqu'aujourd'hui on doit passer par Parcoursup, pour venir étudier à Sciences Po Lille, il y a deux possibilités. Soit on passe par ce qui s'appelle réseau SCPO sur Parcoursup, qui donne accès aux 7 Sciences Po du réseau. D'accord ? Donc on passe un concours, on y reviendra plus tard. Et si on le réussit, ben on peut être affecté dans l'un des 7 Sciences Po, dont Sciences Po Lille. Et puis nous, tout seuls sur Parcoursup, on est présents pour nos 4 doubles diplômes, donc Italie, Allemagne, Espagne et Angleterre, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, pour le coup, c'est un autre cochage sur Parcoursup. Pour le coup, directement Sciences Po Lille. Voilà. Donc, évidemment, le réseau, vous comprendrez que ça permet quand même à des élèves qui rêvent de faire Sciences Po, en un concours, de pouvoir intégrer 7 Sciences Po d'un coup, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus efficace en termes de temps de préparation, en termes de coûts financiers, etc., hein, d'avoir il y a à peu près 1150 places par ce concours commun pour à peu près 10 à 12 000 candidats. Alors, la question qui revient également régulièrement, c'est comment classer ? Est-ce qu'il y a un classement des Sciences Po ? Alors, il n'y a pas de classement des Sciences Po, on n'est pas comme dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, on échappe un petit peu à ce système des classements, d'ailleurs c'est pas plus mal. Donc nous, non, il n'y a pas de classement, et comme on est en réseau et qu'on bosse ensemble, on est solidaires les uns avec les autres, on n'a pas du tout envie que des classements sortent par rapport à cela. Après c'est aux élèves et à leurs parents de réfléchir et de faire des choix, donc dans ces choix évidemment il y a des dimensions de réputation des établissements, ça on peut pas faire contre cela, mais il faut aussi regarder d'autres éléments, il faut regarder l'offre de formation, la manière dont les cursus sont organisés, les petites spécificités qui peuvent distinguer un Sciences Po d'un autre, la dimension vie associative, la dimension aussi, j'y insiste pour nous, Lille qui est un de nos points forts, disons les locaux, hein, puisqu'on a la chance depuis 4 années d'avoir des locaux superbes en centre-ville avec une bibliothèque vraiment superbe, donc ça nous aide beaucoup à être attractifs, puis aussi il faut le dire, pour des élèves qui seraient jeunes, hein, quand ils intègrent nos écoles, ils sont parfois mineurs. Hein, cette année, on a une élève la plus jeune de la promotion à 16 ans, hein, ce qui est quand même assez jeune. Donc c'est vrai aussi que la localisation de l'école, les facilités à accéder à Lille, par exemple, pour des élèves qui ne sont pas de la région, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc il y a un petit travail, vous voyez, à faire d'aller, par exemple, sur les sites internet de chacun des Sciences Po pour voir un peu ce qui est proposé, etc., qui me paraît être un travail préalable assez utile. Et alors, la différence avec Sciences Po Paris, quel choix, comment on se positionne ? Alors, Sciences Po Paris, c'est une école que je connais bien parce que j'en suis diplômé il y a très très longtemps. Mais bon, d'abord, c'est une école qui a été créée dans les années 1870. Et nous, on a été créé en 1971. Donc, on a été créé 115 ans après. Donc, on a évidemment 115 ans à rattraper. On aura toujours du mal à les rattraper. Ensuite, c'est une école qui compte pratiquement 15 000 étudiants. Quand nous, on en compte 1800. Pour être très clair, Sciences Po Paris a évidemment une réputation, un prestige qui n'est pas comparable à celui de Sciences Po Lille. On va pas faire comme si c'était la même chose. Je pense néanmoins qu'on a des petits avantages comparatifs qu'il ne faut pas négliger. Et l'un d'entre eux, à mon avis le plus important, c'est que c'est notre taille. C'est-à-dire que je peux dire que notre école a une dimension familiale, artisanale, qui peut rassurer et intéresser pas mal de jeunes lycéens ou de parents, parce que voilà, quand on a une promo de 280 élèves, je peux vous garantir que nous connaissons pratiquement tous les élèves de façon individuelle. Moi, en tant que directeur, au bout de un mois, comme je suis assez physionomiste, j'ai repéré à peu près tous les étudiants. On est donc capable de faire du cousu humain, du suivi très individualisé des élèves, et je sais que ça peut être très rassurant pour les élèves. Ensuite, comme on n'est pas loin de Paris, pas loin de Bruxelles, pas loin de Londres,
on a la chance de pouvoir accueillir, comme Paris d'ailleurs, beaucoup de jeunes qui sont, de collègues et de professeurs qui sont des professeurs de ces, qui habitent dans ces pays-là ou dans ces villes-là. Et puis, je rappelle aussi que pour Sciences Po Paris, désormais, la plupart des, dans la plupart des cas, le premier cycle n'a pas lieu à Paris, mais dans un campus de Paris ailleurs en France. Alors que nous, tout a lieu à Lille, il y a un seul site, et donc les professeurs sont à Lille, les conférences ont lieu à Lille, alors que pour Paris, c'est devenu un petit peu différent au fur et à mesure de l'invention des campus depuis une quinzaine d'années. Alors, on a parlé donc du diplôme. Qu'est-ce qu'on fait avec le diplôme de Sciences Po Lille? Quelles sont les carrières qui sont possibles, les poursuites d'études éventuellement également? Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que il faut avoir envie de faire Sciences Po Lille, d'abord parce que les 5 ans qu'on y passe sont très intéressants. Voilà, je crois qu'on en sort transformé, on a une culture générale qui s'est renforcée, une culture critique qui s'est renforcée, on a appris des méthodes de travail, on a appris à rédiger, on a appris à s'exprimer en public, on a eu une vie associative, on a passé un an à l'étranger, donc c'est 5 années qui restent des années qui marqueront toute la vie. Ça, c'est très important. Ensuite, je dirais que nos élèves, une de nos forces, c'est que nos élèves font vraiment des choses très très différentes en sortant de l'école. Du fait notamment des spécialités très diverses qui sont proposées, donc c'est le secteur public, le secteur privé, le secteur associatif, le journalisme, l'humanitaire, les métiers de la fonction publique, les métiers de l'enseignement et de la recherche. On a une très très bonne préparation au concours d'agrégation socio-économique et sociale. On a des élèves qui font des doctorats. On a vraiment une palette. On a des élèves qui deviennent commissaires de police, magistrats, militaires. Enfin, c'est très 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 hétérogène. D'accord ? Ça, c'est, pour moi, je considère que c'est un point fort d'avoir une promo qui ensuite produit, entre guillemets, des élèves qui font des, qui commencent leur carrière dans des domaines extrêmement différents. C'est le premier point. Ensuite, l'employabilité, comme on dit, pardonnez-moi ce terme un peu sauvage, est très bonne. C'est-à-dire que 6 mois après le diplôme, en temps normal, parce que là, avec la Covid, c'est un peu compliqué, mais en temps normal, l'employabilité est très forte. C'est-à-dire que là, les élèves trouvent du boulot assez facilement. Et surtout, et j'y insiste, on est un cursus et un diplôme qui forme, enfin, qui permet une très forte adaptabilité. Je veux dire par là qu'on a beaucoup d'élèves qui, par exemple, font service public pour devenir fonctionnaire ou haut fonctionnaire. Et plus de 10 ans après, ils sont chefs d'entreprise, ils sont consultants, ils ont changé de carrière. D'accord ? Et je pense que dans la société dans laquelle on vit et le monde tel qu'il évolue, il me semble qu'être diplômé d'une école qui vous permet de développer des capacités d'adaptation pour pouvoir changer de métier, changer de pays, changer de vie, je crois que c'est une valeur, un intérêt extrêmement intéressant. Un dernier aspect, Sciences Po Lille est une école publique. Est-ce que c'est cher de faire Sciences Po Lille ? Alors, effectivement, c'est une école publique. Comme on est une grande école, beaucoup de gens pensent que grande école égale école privée égale école très chère. Bon, ça veut dire quoi être une grande école publique? Ça veut dire que les élèves qui sont boursiers ne payent pas de droit d'inscription. C'est gratuit. Donc, pour nous, ça, c'est 30%. 30% de nos élèves ne payent pas de droit d'inscription. Et d'ailleurs, en plus, touchent une bourse et en plus, touchent parfois une bourse de notre part. Bon. C'est très important et je m'adresse là à des familles, des élèves qui pourraient avoir peur de se dire c'est pas pour moi parce que je vais pas pouvoir payer. Voilà, c'est gratuit. Pour les autres, on a un système de droits modulés qui font que les élèves donc, qui ne sont pas boursiers payent entre 180 et 4000 euros par an selon les revenus des parents. Et pour ce qui est de la tranche maximale, donc 4000 euros par an, elle est payée par les élèves dont les parents gagnent au moins 7500 euros net par mois. Donc c'est quand même des familles qui ont déjà des revenus, qui sont des revenus tout à fait conséquents. Pour l'année à l'étranger, on paye à Sciences Po Lille, on ne paye pas dans l'université dans laquelle on va. J'y insiste parce qu'on a des accords avec des universités américaines, japonaises, canadiennes, dans lesquelles les droits d'inscription normaux sont de 30 à 40 000 dollars. Et dans ce cas, les élèves ne payent que à Sciences Po Lille, d'accord ? Voilà, donc ça peut, alors sur 5 ans, quelqu'un qui est au droit maximum, c'est 20 000 euros de droit d'inscription, donc ça peut paraître onéreux. Je rappelle qu'une école de commerce aujourd'hui en moyenne en France, c'est entre 15 et 16 000 euros par année d'études. Donc on est, je dirais, en termes de prestige comparatif des diplômes et de réputation comparative des diplômes, je pense que c'est, disons, raisonnable et intéressant. Une dernière chose, une grande école, est-ce que c'est aussi une grosse école? On a parlé du nombre d'étudiants, on peut peut-être le rappeler. Oui, donc on est à 1800 étudiants dans l'école, dont à peu près 200 étudiants internationaux. Alors, c'est une taille moyenne, voire une taille assez basse.
et c'est une volonté de notre part. C'est-à-dire que nous, on a décidé de ne pas grossir. On a décidé d'avoir un seul campus et un nombre d'élèves dont on a fixé le maximum à 2000. Pour justement privilégier la qualité des relations qu'on peut avoir entre, avec les élèves, que nos enseignants peuvent avoir avec les élèves, privilégier des groupes d'une vingtaine en conférence de méthode. Donc c'est un choix d'une croissance, d'un développement de l'école qui n'est pas un développement quantitatif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à grossir, entre guillemets, à toute force pour avoir de plus en plus d'élèves. On n'a pas de toute façon la place pour les accueillir correctement. Donc on a vraiment ce choix que moi j'appelle artisanal ou familial, je l'assume complètement, de se dire on n'est pas très nombreux, on n'a pas énormément d'élèves, et comme on n'en a pas énormément, on peut s'en occuper dans les meilleures conditions possibles. On va arriver maintenant à une partie importante, c'est de savoir comment est-ce qu'on intègre Sciences Po Lille, les différentes voies d'accès. Déjà, on a parlé des filières, etc. Voilà, on peut peut-être faire le point là-dessus. Voilà, donc jusqu'à présent, je vous ai fait le teaser, comme on dit aujourd'hui. Donc vous dites toutes et tous, waouh, c'est génial, il faut que je fasse cette école. Bon, jusqu'à là, ça va. Le problème, c'est qu'il faut entrer, accéder et qu'il y a des concours pour y accéder. Donc en gros, on peut y entrer donc, en première année et en quatrième année. Donc tout, je vais aller vite parce que tout est renseigné sur le site de l'école de façon assez complète. Mais donc ce sont des concours d'entrée. Donc en première année, le concours commun dont on a parlé tout à l'heure avec le réseau SCPO et puis pour les doubles diplômes, des concours spécifiques à Sciences Po Lille. Donc ce sont des concours qui sont en train d'évoluer. Alors malheureusement, on a dû les faire évoluer en 2020 du fait de la Covid. Peut-être qu'en 2021, dans les semaines qui viennent, on sera malheureusement amené à les faire également évoluer pour tenir compte de la Covid. Mais globalement, ce sont des concours écrits, parfois avec des oraux en plus. Donc, mais pour le concours commun, par exemple, c'est un concours écrit. Qui changera sans doute en 2022 du fait du nouveau baccalauréat, dont vous savez que je m'occupe par ailleurs, donc les choses ne sont pas complètement stabilisées, mais l'idée c'est qu'on rentre par un concours. En première année, en gros, pour Sciences Po Lille, à peu près 8 à 10% des élèves, des candidats réussissent, ce qui est effectivement est très sélectif, peut faire peur à des gens qui nous regardent. Bon, en même temps, disons que c'est aussi le gage d'une attractivité et d'une réputation de l'école. Si on n'a que 8 à 10% des candidats qui rentrent, c'est parce que cette école, elle est reconnue et qu'elle attire énormément de candidates et de candidats. À l'entrée en master, là encore, on candidate à l'un des masters que l'on propose. Il y a des écrits puis des oraux. Là, il y a à peu près une centaine, il y aura une centaine de places à partir de 2021, sans compter la correcte J, qui fait que là, il y a à peu près 55 à 60 places. Pareil, le taux de sélectivité de ces concours, il est d'à peu près 10%. Donc à peu près 10% des candidats réussissent à rentrer chez nous. Donc chaque année au total, on a à peu près 400 élèves qui intègrent l'école. Et donc je suis lycéen, comment je me prépare au concours? Alors, donc d'abord, probablement parmi les gens qui nous regardent, les gens qui ne sont pas simplement lycéens de terminale. Hein. Donc c'est bien de commencer à y penser, si vous voulez. Il ne faut pas y penser tout le temps depuis la classe de seconde, hein, mais c'est bien d'avoir un petit musique dans sa tête de dire je vais faire Sciences Po. C'est bien ensuite de ne pas avoir peur de s'y préparer en se disant oui, le directeur vient de dire que c'était 10% de réussite. Bon, voilà, c'est, vous allez y arriver si vous êtes motivé. Ensuite, il faut se dire, nos concours d'entrée en première année sont ouverts l'année du bac, mais aussi à bac plus 1. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait vous préparer, le passer, ne pas l'obtenir l'année du bac. Surtout, ce n'est pas grave, c'est vraiment très, très rude de réussir. Donc, si vous ne l'avez pas l'année du bac, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour Sciences Po, ça veut dire que vous manquez encore un tout petit peu de maturité. Ce qui veut dire qu'il faut penser à un plan B, il faut penser notamment sur Parcoursup, qu'est-ce que je vais cocher si d'aventure je ne réussis pas Sciences Po. Bon, donc on pourra en reparler après si vous le souhaitez ou s'il y a des questions. Donc, il faut se préparer, bien sûr. Je pense que c'est un concours qu'on ne réussit pas si on ne s'y prépare pas. C'est plutôt un concours qui est réussi par de très bons élèves du lycée, ce n'est pas une surprise. Mais être très bon élève au lycée ne garantit pas de réussir. Hein. L'année dernière, qui est une année très particulière avec le Covid, en 2020, pour Sciences Po Lille, le dernier admis à Sciences Po Lille a eu plus de 18 à notre concours d'entrée sur 20. Et cette année, nous avons dans l'école plus de 90% en première année d'élèves qui ont eu le bac avec mention très bien. Et je crois que nous ne comptons aucun élève qui a eu le bac avec autre chose que mention très bien ou mention bien. Donc là encore, les gens qui nous regardent, je ne devrais peut-être pas le dire parce que ça va leur faire peur. Mais bon, voilà, c'est une école qui recrute d'abord, on va dire, de très bons élèves du lycée, première chose. Ensuite, des élèves dont la première qualité, de notre point de vue, est la curiosité, voilà, qui sont intéressés par ce qui se passe dans le monde. Et puis, j'y insiste aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations, notamment liées à la réforme du baccalauréat et à la suppression des séries, sur quelle spécialité suivre au lycée.
Je vais dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Il faut suivre ou choisir, si vous êtes en seconde, les spécialités qui vous intéressent intellectuellement, qui titillent votre curiosité. On ne discrimine pas, on ne demande pas de suivre histoire géo ou SES comme on pourrait s'y attendre. Non, non, nous, même quelqu'un qui fait maths et physique, qui est un bon élève, mais qui veut faire Sciences Po parce qu'il est intéressé, il sera le bienvenu chez nous. Et le concours tel qu'on l'organise, un élève qui va faire maths et physique, ou je ne sais pas, maths et SVT, ou SVT et physique, etc., donc plutôt des spécialités scientifiques, cet élève-là a autant de chances qu'un autre de réussir, parce que c'est un concours qui est ouvert à tous les profils. Bon, je suis lycéen, je pense à Sciences Po, j'ai choisi les matières qui m'intéressent, je suis curieux, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour augmenter mes chances d'entrée à Sciences Po Lille ? Alors, donc ce que vous venez de dire, c'est nécessaire mais pas suffisant. Alors, nous, on est quand même attentifs dans les épreuves écrites à la maîtrise de la langue. Ça peut paraître tout bête, mais un élève, moi-même je corrige chaque année une cinquantaine de copies pour voir un peu à quoi ça ressemble. Un élève qui va faire un nombre, disons, un petit peu excessif de fautes, il va avoir une très mauvaise note et ça va le zigouiller pour la réussite au concours. Parce que vous avez entendu tout à l'heure la moyenne générale pour réussir. Si vous avez une note médiocre dans une des matières, vous êtes fichu. Ensuite, il faut se préparer. Donc, il y a des centres de prépa qui existent, il y a des livres qui sortent, il y a des prépas en ligne, il y a plein de choses qui existent. Il faut se préparer. Parce que, disons, la culture générale qui est la vôtre à la sortie du lycée, elle risque de ne pas suffire par rapport au niveau moyen des candidats, d'accord ? Après, bon, si vous voulez faire Sciences Po, c'est que vous êtes quand même curieux des choses de l'actualité, de la politique, de l'histoire, etc. Donc, bah, il faut lire des choses. Lire un peu le monde, aller sur, vous abonner à des blogs ou des choses un petit peu intéressantes, être abonné à Courrier International, par exemple, je ne fais pas de publicité, mais bon. Oui, effectivement, lire le monde, lire éventuellement un magazine en langue étrangère, parce qu'il y a une épreuve de langue qui est également assez sélective. Voilà, ce genre de choses. Il ne faut pas se forcer. Vous voulez faire Sciences Po parce que vous êtes motivé pour le faire. Donc le fait de lire éventuellement un petit peu le monde, ou de lire Courrier International, ou de regarder un site de vulgarisation des questions d'actualité, faut pas que ce soit quelque chose qui vous embête et que vous faites parce que vos parents vous obligent à le faire. D'accord. Et je précise qu'en faisant ça, quand vous êtes en terminale, ça vous permet quand même d'avoir de meilleures notes dans les matières du lycée. Donc ça vous permet aussi, en vous préparant à Sciences Po, de réussir votre baccalauréat dans de meilleures conditions que si vous ne vous y prépariez pas. Voilà. Alors, il y a la question du bac. Je prépare le bac 2021 en même temps. C'est le cas de pas mal de lycéens et lycéennes qui nous regardent. Est-ce que j'ai quand même une chance d'intégrer Sciences Po Lille cette année ? Quelles sont les chances ? Alors, bon, d'abord, si je prends ma casquette de monsieur qui s'occupe du bac, je sais bien que c'est très très compliqué de se préparer pour le bac cette année et de suivre ses études en terminale. Déjà, ça a été compliqué à la fin de l'année de première. Donc, je m'adresse à des élèves là qui sont en terminale, voire qui sont en première, qui ont des conditions d'études qui sont dégradées, qui sont compliquées, en plus qui sont très inégales selon les lycées, donc c'est pas facile. Pour le concours commun cette année, si on doit à nouveau organiser un concours qui n'est pas le concours prévu, il y a un nombre de places qui est garanti. On va dire que globalement, en moyenne, hein, sur les 10 dernières années, le taux de réussite, il y a 40% des admis au moins qui sont des bacheliers, bac zéro. Donc si vous rapportez ça à 1100 places, ça veut dire qu'il y a quand même entre 450 et 500 élèves de terminale qui intègrent l'un des 7 Sciences Po du réseau. Donc c'est pas mal. Les élèves ont des chances d'intégrer par rapport à des élèves qui sont bac plus 1, notamment parce que les épreuves écrites sont des épreuves plutôt adaptées aux élèves de terminale en termes de programme qu'aux élèves de classe prépa. Et justement, est-ce que du coup, une prépa pour intégrer Sciences Po Lille, ça peut quand même être intéressant ? Si oui, quelle prépa ? Alors, de la même manière que j'ai dit tout à l'heure que pour les spécialités au lycée, il fallait vraiment choisir ce qui vous intéressait, j'aurais tendance à dire que quand vous allez vous préparer en réfléchissant à Parcoursup avant le 15 mars hein, pour faire ses vœux, il faut vous dire, bon, je coche Sciences Po, qu'est-ce que je coche en sécurité ? Bon, au cas où je n'ai pas Sciences Po. Moi, je pense qu'il faut vraiment choisir quelque chose qui vous intéresse là encore. Il y a en gros deux possibilités. Soit vous allez vous candidatez pour aller en classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle une hypocagne, ou une prépa aux écoles de commerce, hein, qui sont des lieux où on se prépare à Sciences Po quelque part, pas directement mais indirectement. Bon, là, c'est quand même ça continue à être au lycée, avec un emploi du temps hebdomadaire très très chargé.
Donc c'est quand même quelque part le lycée qui continue en version XXL, avec plus d'exigences, plus de travail. Etc. Le niveau est très bon, les profs sont super, on apprend beaucoup de choses. C'est ce que moi j'ai fait, par exemple, avant d'intégrer Sciences Po Paris il y a très longtemps. Bon, ça c'est une option. L'autre option, c'est vous pouvez très bien aussi en avoir un peu marre du lycée, ne pas avoir envie d'avoir 35 heures de cours par semaine plus 20 heures de travail personnel. Vous pouvez être intéressé, curieux d'aller à l'université. Bon, donc là, vous pouvez tout à fait choisir une première année de licence. Il y a beaucoup de premières années de licence en France aujourd'hui qui proposent une prépa Sciences Po. Si je me contente de parler du site lillois, l'Université de Lille, dans sa faculté des humanités, propose une licence 1 en histoire ou en philosophie qui propose un certain nombre d'heures de cours de préparation à Sciences Po. Donc vous êtes à la fac, vous faites une première année d'histoire, de droit, d'économie, de sciences politiques, bon voilà. Et puis à côté de cela, vous avez des heures en plus dans le cursus qui sont des heures de préparation au concours d'entrée. D'accord ? Ce qui fait que si vous ratez à nouveau le concours, ce qui peut arriver, bah vous allez quand même valider une première année de licence ou une première année de classe préparatoire. Et à ça s'ajoute, un peu ceinture et bretelles si vous passez l'expression, des prépas en ligne. Donc nous, le réseau SCPO, on recommande une prépa qui s'appelle Tremplin, qui est une prépa en ligne qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et que vous pouvez donc suivre en plus, par exemple, d'être en première année de licence, hein, parce que c'est du travail en plus. Donc vous pouvez être en première année de licence sans prépa Sciences Po et puis à côté de ça, être abonné à Tremplin, comme le sont probablement pas mal de gens qui nous écoutent, et puis vous préparer à côté de votre cursus classique à l'université. Donc, si on récapitule, pour intégrer Sciences Po, déjà en première année, bac 2021 par exemple, je peux l'intégrer cette année, je peux aussi l'intégrer l'année prochaine, donc j'ai deux chances. Si jamais ça ne marche toujours pas, qu'est-ce qui me reste ? Bon alors, d'abord si ça ne marche pas, ce n'est pas la mort, ça peut arriver, et comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas le concours dès l'année du bac, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour Sciences Po et que vous n'avez pas le niveau, entre guillemets. Il y a une question de chance sur les sujets. La compétition est quand même, la concurrence est quand même féroce, donc ça peut tout à fait arriver que vous ne réussissiez pas deux fois, sans que ça veuille dire grand-chose sur vos capacités à réussir un jour. Bon, ben dans ce cas-là, c'est assez simple. Il faut aller au bout du premier cycle universitaire, donc il faut décrocher une licence, et à l'issue de la licence, candidater à l'entrée chez nous en quatrième année. On a même des gens qui candidatent chez nous alors qu'ils ont déjà validé un master 1 et qui donc, en quelque sorte, reviennent en arrière d'un an. D'accord ? Voilà, donc... Vous continuez de vous avancer dans le cursus, vous êtes en droit, vous êtes en sciences politiques, en histoire, en économie, etc., etc. Vous êtes en classe prépa, et ben à la fin de la licence, vous candidatez à l'entrée chez nous. Donc là, c'est un concours simplement Sciences Po Lille, d'accord, avec des écrits d'admissibilité, puis des oraux d'admission. Voilà. Donc au total, quand même, vous avez pas mal d'opportunités d'intégrer notre école, même si effectivement elle est très sélective. Passons maintenant aux atouts de Sciences Po Lille. On va peut-être d'abord parler des conditions d'études, des nouveaux locaux, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, une bibliothèque, les horaires. Bah, c'est-à-dire que bon, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas notre histoire, mais pour la résumer d'un mot, pendant pas mal d'années, on a été logés dans un bâtiment qui se dégradait beaucoup et qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un bâtiment d'enseignement supérieur. Bon. On a la chance, donc, depuis 4 ans, d'avoir intégré en fait, une ancienne faculté qui avait été créée et montée au 19e siècle, en centre-ville de Lille, qui a été complètement rénovée. Donc c'est un petit peu, si je fais un petit peu mon architecte d'intérieur, c'est une espèce de mélange entre l'ancien et le très moderne, avec une bibliothèque juste en face, d'où nous allons inaugurer un étage supplémentaire dans quelques jours. C'est dommage que les JPO ne puissent pas avoir lieu de manière présentielle, parce que là, je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent seraient très séduits. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de Sciences Po Lille, il y a une petite animation qui vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et surtout, effectivement, s'agissant de la bibliothèque, un de nos points forts, je crois, c'est qu'elle est ouverte 7 jours sur 7. Alors, en temps normal, hors Covid, de 9h à 22h. Ce qui est quand même quelque chose d'assez original, sachant que pour le reste, l'école est ouverte, disons, de 8h le lundi à 16h le samedi. Voilà, donc c'est de super bâtiments, je pense que je n'ai pas trop à vous le démontrer, vous n'avez qu'à aller voir, très bien situé, donc ça c'est un point fort très important. Ensuite, comme on n'est pas loin, je le disais tout à l'heure, de Paris, on a la possibilité d'avoir pas mal d'enseignants, mais surtout pas mal de conférenciers qui viennent de Paris le soir pour nous présenter leurs derniers livres, nous, des hommes politiques, des ministres, etc., etc., des chefs d'État étrangers, enfin on a une floraison d'animation et d'activité. Je crois pouvoir dire aussi qu'on étudie sérieusement dans l'école
mais il y a aussi une vie associative qui est extrêmement riche et extrêmement dense. Pour un directeur, c'est même parfois très compliqué parce qu'on a des demandes de salles en permanence, des demandes de conférences diverses et variées. Donc les élèves, presque tous les élèves de l'école sont engagés d'une manière ou d'une autre dans la vie associative. Le sport, le bureau des élèves, le bureau international, le bureau des arts, des associations thématiques sur des aires culturelles, une association pour les droits LGBT. On a un panier bio, donc tous les mardis, une association d'élèves gère un panier bio qui vend donc du pain bio, des produits de la terre de Hauts-de-France. Bon, il y a plein de choses, voilà. On a le moyen de se restaurer sur site, il y a une cafétéria, enfin même deux maintenant. Voilà, donc je dirais que les conditions d'études, de mon point de vue, sont assez intéressantes. Et comme on a, comment dire, on a investi le bâtiment il y a 4 ans, évidemment, toutes les salles sont équipées du dernier cri des systèmes d'enseignement à distance. On a des chaises sur roulettes très intéressantes, les amphis sont ultra modernes. Voilà. Oui, c'est la chance que l'on a, il faut le dire, par rapport à beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, d'être dans un bâtiment totalement modernisé, avec des conditions d'études qui, me semble-t-il, sont optimales. On a parlé donc des conditions d'études, de la vie associative qui est encouragée. Parlons un peu de son positionnement à l'international. Est-ce que l'école reçoit des étudiants et des professeurs internationaux ? Oui. Alors, donc, on a déjà 250 étudiants qui partent chaque année à l'étranger. C'est pas rien. Plus les étudiants de nos double diplômes qui passent une partie de leur cursus dans l'université étrangère avec laquelle ils sont, on est en partenariat. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est déjà important. Il y a des flux de nos élèves, entrants et sortants. On accueille, donc je disais tout à l'heure, à peu près 200 élèves chaque année dans l'école. Donc c'est une école dans laquelle on ne parle pas que le français, on parle diverses langues dans les couloirs, etc. Et puis effectivement, on accueille à peu près entre 25 et 30 professeurs étrangers chaque année. Donc ils sont des professeurs des universités avec lesquelles on a des partenariats et qui viennent faire des cours, évidemment, en langue étrangère. Alors le plus souvent en anglais, parfois en espagnol ou en allemand, mais beaucoup en anglais. Des cours voilà, de sciences politiques, d'histoire, de droit, d'économie, et des cours qui sont évidemment proposés à nos étudiants dans le cadre du cursus. Donc ça permet à nos étudiants de ne pas suivre simplement des cours en français ou des cours de langue, mais aussi d'avoir accès à énormément de cours en langue étrangère. Les conférences également, donc qu'on parle et qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont ouvertes aux étudiants, sont-elles également ouvertes au public extérieur ? Oui, donc en temps normal, je m'excuse, mais il faut quand même le rappeler, on va dire qu'on a entre 5 et 7 ou 8 conférences par semaine dans l'école. Elles ont en général lieu en fin de journée, à partir de 18h. Elles sont presque toutes ouvertes à la population. Donc on communique beaucoup, notre service communication est très dynamique, donc on communique vers l'extérieur. Il y a beaucoup par les réseaux sociaux, par la presse plus traditionnelle. Et on va dire quand il y a une conférence, 40 à 50% de l'auditoire est composé de personnes qui ne sont pas de l'école. Et ça participe aussi de notre rayonnement et de notre attractivité. On est connu pour être un lieu dans lequel on accueille des gens assez connus. Et on participe de la sorte aussi au débat public, à présenter des débats de société. Il y a parfois des invités seuls, mais aussi des conférences, des débats. Quand il y a des élections, évidemment, on a les divers candidats qui viennent. Et c'est chez nous qu'ils s'opposent, évidemment, dans le respect des règles démocratiques. Voilà, on y tient énormément, il y a aussi des expositions, enfin, on fait plein de choses qui contribuent à ouvrir l'école sur la cité, parce qu'on voilà, on s'appelle Sciences Po, on est une école qui forme à des futurs citoyens aussi, et des gens qui s'intéressent aux questions de société, donc c'est normal qu'on soit le plus ouvert possible à la société. Et du coup, est-ce que le public adulte est concerné par Sciences Po Lille ? Dans quelle mesure ? Alors, on a de la formation continue, j'en parle, c'est peut-être anecdotique par rapport au centre d'intérêt des gens qui nous écoutent, mais effectivement, on a des cursus en formation continue, notamment sur les questions de santé depuis pas longtemps. Voilà. Donc, on a une direction de la formation continue qui propose des formations professionnelles à des gens, à des adultes, à des gens qui sont déjà en activité, qui cherchent à compléter ou à changer de compléter leur cursus ou à changer d'orientation professionnelle. Un dernier point, et un point important, l'école est engagée en matière d'égalité des chances depuis déjà le lycée, on intervient, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors on a un programme qui maintenant est un programme qui est partagé par les 7 Sciences Po du réseau SCPO, c'est un programme qui s'appelle PEI, programme d'études intégrées que j'avais créé en 2007, c'est un programme qui aujourd'hui concerne plus de 3000 jeunes collégiens et lycéens à peu près partout en France métropolitaine, territoire ultramarin.
Donc c'est de l'accompagnement des élèves à partir de la classe de 3e jusqu'à la classe de terminale. Alors en 3e, on ne les accompagne pas pour faire Sciences Po, mais disons que c'est un accompagnement pour ouvrir leur domaine des possibles, leur champ des possibles. Donc on les reçoit à Sciences Po, on va dans les lycées, on a des élèves qui les tutorent, et pour les élèves qui sont en terminale, s'ils le souhaitent, on les prépare au concours d'entrée à Sciences Po, ce qui a aussi des effets très intéressants, notamment sur l'augmentation du pourcentage de boursiers dans notre école, qui doit beaucoup à ce programme. Donc effectivement, on essaie d'être très... Alors là encore, ça renvoie en quelque sorte à notre responsabilité sociétale. Moi, je considère en tant que directeur d'une école publique qu'une de nos responsabilités, c'est de faire en sorte que nous apportions à la société ce que quelque part la société nous a apporté, nous, en tant qu'enseignants. Et donc, on considère qu'il faut accompagner. Donc, pour Sciences Po Lille, c'est quand même plus d'une centaine de collèges et lycées de la région des Hauts-de-France, mais aussi de Mayotte, de la Guadeloupe que nous accompagnons, soit en présentiel, soit à distance, chaque année. Et moi, j'y tiens beaucoup. C'est quelque chose qui dynamise beaucoup le fonctionnement de notre école. Eh bien, pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux lycéens, lycéennes, aux étudiants, aux étudiantes qui nous regardent, intégrer Sciences Po Lille, et qu'est-ce qu'on peut retenir? S'il y avait quelque chose à retenir, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Alors, avant de donner un conseil, moi, je pense que c'est une école, franchement, qui est... Enfin, je ne le dis pas parce que je suis directeur, mais c'est une école dont le cursus est vraiment, je pense, très intéressant. Voilà, on y apprend des choses. Et il faut essayer de rompre avec l'approche un peu utilitariste consistant à dire « je cherche à faire tel type d'études » ou « je cherche à intégrer telle école parce qu'elle a une réputation qui va me permettre de décrocher un boulot qui éventuellement ne m'intéresse pas, mais va me permettre de bien gagner ma vie. » Et puis après tout, même si je m'ennuie pendant mon cursus, ce n'est pas grave. À la fin, j'aurai le diplôme qui me permettra de bien m'en sortir dans la vie. Moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, à mon avis. Il faut d'abord se dire, est-ce que ce qui est proposé dans cette école est intéressant? Franchement, je pense que c'est très intéressant. Il y a une année à l'étranger. Ça n'est pas intéressant uniquement par les cours, c'est aussi intéressant par la vie plus générale de l'école, notamment la vie associative, les conférences. C'est ça d'abord. Donc, c'est d'abord de vous dire, c'est super de vouloir le faire, et il faut vous y préparer simplement si ça vous intéresse. Vous, en tant qu'élève, petite anecdote, pas... parce que vos parents trouveraient super que vous fassiez Sciences Po. C'est normal qu'en tant qu'enfant qui aime ses parents, vous cherchiez à rassurer vos parents par rapport à votre projet d'études supérieures, mais c'est d'abord parce que ça vous intéresse de faire Sciences Po. Voilà. Après, en termes de conseils, il faut probablement s'y mettre un petit peu à partir de la première. Il faut commencer à lire, il faut commencer à bosser un petit peu en dehors ou à côté de ce qu'on vous demande de bosser au lycée. Voilà, de lire un peu, de vous renseigner sur l'actualité, de muscler un petit peu votre culture historique, de muscler aussi votre culture linguistique, parce qu'effectivement, ce concours est devenu quand même de plus en plus sélectif, hein, et que ça ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'un élève qui va se planter, avoir une note médiocre dans l'une des matières du concours, une des épreuves du concours, va avoir du mal à rattraper son retard. Voilà, donc il faut être assez complet. Donc il faut se préparer, effectivement, monter en puissance à partir de la première, y consacrer plus de temps en terminale pour se préparer, mais en se disant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, se préparer en terminale pour ce concours, ou pour un concours pour intégrer l'un des Sciences Po, c'est aussi se préparer pour le bac. En fait, c'est majorer ses chances d'avoir de meilleurs résultats au bac, donc quelque part, quoi qu'il arrive, c'est un investissement qui n'est pas perdu, même si on ne réussit pas le concours, et bien sûr, si on ne réussit pas, eh bien, on peut le repasser, et ça finit toujours par payer. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Mathiot, de cette présentation. La journée porte ouverte de Sciences Po Lille se poursuit, et cet après-midi, nous vous retrouverons pour un direct, et vous pourrez poser directement vos questions que je relayerai donc à Pierre Mathiot. Donc ça, c'est cet après-midi. Vous retrouvez le programme sur le site internet. À tout à l'heure, et merci de nous avoir suivis.